Rebonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 de notre aventure sur Minecraft. Et donc on se retrouve sur l'endroit où j'étais un peu bloqué. Alors je vais vous expliquer, là il y a eu un petit problème. Ça a un peu tout fait péter. Donc j'ai voulu en fait ici empiler deux bombes pour voir ce qui était en haut. Mais quand on empile deux bombes, et ben elles explosent. Ça je le savais pas. Et donc du coup ça a tout fait péter là, donc j'ai pas pris ce qui était dans le coffre ni rien. Et en même temps j'ai pu trouver la sortie. En fait c'était caché par des panneaux. Et il fallait faire ça. Vous avez pas compris en fait, voilà. Bon bah on fera avec hein. Tant pis. Hop là, donc on continue sinon. Hop. Là normalement il y a un passage. Ruby. Tout fait péter, du coup il y avait de la lave. Je sais pas pourquoi ici on a de la lave. Ah oh, merde. C'est pas grave. Là il y a un truc là aussi. On peut y aller voir. Lol chest. Tiens. J'ai pas vu ça. Ça descend bas. Très bas. Qui a foutu un bateau ici? Ce petit secret. Bateau pirate, The Legend of Zelda, Phantom, ou Glass. Tout pété. C'est sympa, le bateau est bien fait. Ça a pété là-bas. Bon allez, je suis pas là, et on saute, on retourne dans notre histoire de Legend of Zelda. Attention, ça a donné le tournis, blablabla. Ah bah du coup maintenant faut retrouver la sortie qui est là-bas. Ah ouais. T'as pas ce problème ça. Casser ça, allez allez allez. Ah j'allais dire je peux passer dessus, oh péché. Ça marche pas plus vite. Je suis con. Ça marche pas ça. Non. Oh là, j'ai pas un truc à poser là. Une porte. Ça marchera pas. Non. Ça sera plus vite de casser un mur que de casser ça. Voilà. Ça, je donnerai pour des heures. Ah écoutez, non je n'ai pas triché hein. Les portes étaient ouvertes, c'est juste que je peux pas passer. Oh merde, oui, c'est pas là. On avance, on avance. Ta-da-da-da. Ah non, toujours pas. Là, ta-da-da-da. Je suis
suis toujours armé. Un cœur. Oui, il est. Il fait peur. Quand un équipant. Temple des esprits. Temple des esprits. Oula. Fais peur. T'as une clé? J'ai pas de clé. Ah ok. Ah, usage unique. Requiem des esprits. Aïe. Pec. Ah ici. C'était caché. Ne pas prendre le grappin éclairage bas. Prendre le grappin, éclairage bas. Bon bah c'est que c'est pas ici. Ah c'était là qu'il disait. Bon c'est pas grave. J'ai pas compris moi. Rien. Ah. Ah mais c'est le son. Eh mais faut que la cale de qui là. On va mettre un rubis vert parce que ça vaut pas grand chose. Faut que je passe. Bon, c'est pas grave. Et... Une règle dit que quand on est dans un labyrinthe, il faut suivre un côté pour sortir. Mais comment fait-on si on est à plein de milieu? Comment fait-on en plein milieu? C'est un labyrinthe. C'est mauvais ça. C'est mauvais, je suis pas bon le pirate. J'aurais pu me donner une carte. Oh, une fois que j'en demande une. Il faut monter, il faut descendre, il faut aller sur le côté. C'est quoi ça? Ah ouais. C'est marrant ça. T'as ouvert quelle porte? J'ai une porte un peu plus haut. Ouais, c'est là. Oh, c'est embêtant ça. Et où la porte que j'ai ouverte là. Allez, continue. On va dire juste les balles. Oups. La clé des esprits. Bon, continue.
Alors ça a dû ouvrir une deuxième porte qui se trouve là-bas. Non, toujours pas. Peut-être ici? Ouais, non. Ça va marcher là? Peut-être que si, peut-être que je suis trop loin pour l'entendre. Enfin bref, hop. Je le sens mal ce truc pour remonter. Très mal. Hop là. Ah, bloom. Je le savais. Je déteste ces sauts. Ben, je me retrouve bloqué maintenant. Punaise! Aïe. Heureusement que j'ai une armure. Ah! Je me trouvais bloqué à chaque fois quoi. Punaise! Enfin. C'est la porte devant, elle s'est ouverte. On avance. Bon bah vu que j'avais prévu le saut d'eau. Et voilà. J'ai entendu un bruit lointain. J'ai entendu un bruit lointain. Bon bah, je vais la sortir d'ici. On n'a pas sorti d'ici, il y avait une porte au début, c'est vrai. Raté. Ahem. Jeter les plaques de pression ici. What? Ah ouais. Ça c'est marrant. Ouais. Non, non, non. Solo, il me tue. Ah, mais je commence à plus en avoir beaucoup. Ah, bah j'en ai plus. Mais merde, comment je vais faire? Ah non! Je vais mourir. Un arc et une bombe. Mais comment je vais faire? Bon, je vais l'enlever parce que j'en ai plus. C'est de l'arnaque. Je vais faire ça. Hop. On lui dit qu'on a rien vu. What? Voilà. Ça fait quoi? Ça change rien. Tant pis. On descend. Oui, ouf. Téléportation. Je suis où là? Fiou. Dans la montagne. Allez, Aurélien, qu'est-ce qui s'est marqué? J'ai entendu les. Mais. Ouais. J'ai entendu les esprits murmurer. Brûle la statue de l'épée. On dira
on dirait qu'il y a quelque chose d'intéressant là-bas. Et ben on va tout brûler. Pourquoi j'ai pas été de l'autre côté, quel con? Et quel con! Là 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 là, je dois repasser par là. Y'a pas un chemin? Ici, y'a pas un chemin? Bon, bah. On doit repasser par là. Hein. Tac. Oh là là là. Bon, je crois que je vais vous quitter là et je vais faire ça tout seul. Sinon, j'en ai pour des heures. Et je vais jeter ça. Et une porte aussi, il faut que je la jette. Donc je vous remercie d'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Qu'il n'y aurait pas eu trop de fails. Je vous dis à la prochaine pour l'épisode 6. Allez, ciao ciao!